Oh,
Enfin, toi, on sait pas encore si tu mords ou pas, on sait pas, toi. Toi, c'est pas sûr. Et puis, si on mange, toi, si tu mords, à mon avis, on n'attend pas. Allez, les amis, passez tous derrière la banderole. Ceux qui vont prendre la parole devant la banderole. Les amis, crée pas la tête. Je vais pas aller prendre la parole. Non, je la prends. Pour soutenir les camarades qui vont prendre des peines injustes. Donc il faudra être là, là tout le mois, il y a au moins 15 camarades qui passent en procès. Il faudra être présent au TG, les appels sont lancés pour venir soutenir, et voilà, il y a beaucoup de dates à venir. Voilà, je vais donner la parole au camarade Saïf. Ça va être très bien. Content de nous voir rassemblés ici aujourd'hui. Que la lutte continue. On appelle à la mobilisation générale de tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est pas facile, mais il faut que vous soyez tous mobilisés et unis afin que nous puissions libérer le pays. Afin que nous ayons la convergence des luttes. La convergence des actions. Appel à tous les gilets jaunes. Appel à tous les Africains. Appel à tous les Antillais. Appel à toute la population. Mobilisation générale. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser marcher dessus. Il va falloir qu'on s'organise. Comme vous voyez tous les samedis. Appel à tous les soignants suspendus. Pas qu'on oublie tous les soignants qu'on a virés comme des malpropres pour qu'on les soutienne. Donc, nous sommes le mouvement solidaire anti-Guyane. Vous savez ce qui se passe aux Antilles. Nous avons nos camarades qui ont été emprisonnés, deux de nos camarades, Roxane et Volcan en Martinique, qui ont été emprisonnés. Nous avons les grands frères en Guadeloupe qui ont été ramenés ici. En prison, tout simplement parce qu'ils se sont mobilisés contre le chlordécone. Nos populations ont été empoisonnées par ce pesticide qui a été interdit aux États-Unis et qui a été promulgué en France et qui a été expérimenté aux Antilles. Nos populations, que ça se termine. Nous appelons encore à la mobilisation générale de la population française de partout, dans les dom-toms et ici. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser marcher dessus. Appel à la mobilisation nationale. Appel à la mobilisation nationale. Nous réclamons le RIT, tous ensemble, nous réclamons.
normalement, on aurait dû déjà avoir un gouvernement. C'est pas le cas. Donc, restez vigilants sur cette action-là. On ne va pas lui donner un blanc-seing. Je passe la parole. Beaucoup d'entre nous ont du mal à manger à la fin du mois, alors que